Yop les pilotes et bienvenue d'un paddock St. Petersleu. Nouvelle matinale Bren en ancienne aujourd'hui avec l'aventurier du gaming, Akukuku. Salut. Et puis comme d'habitude, hein, petit tour de parking et let is go. Let is go. Let is go. Salut. C'est Mercedes. Elle est magnifique. Elle est belle, mais elle est pas rouge. Mais c'est pas grave. Attention, il y a une voiture derrière. Oups! Une mini! Vous l'avez vendu? Une autre voiture cassée. Laisse passer la Volkswagen. Allez, c'est parti pour la Q1. Une vache, ça broute, mais à quel numéro? Moi, j'ai envie de répondre me. L'école est au numéro 8 et la vache qui est dessinée sur le mur est à l'école. Retour à la voiture après un petit tour de parking. Ha ha ha!
chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir, chauffer, refroidir. Ah ben voilà. Attention, une voiture qui arrive. Deux voitures. Quoi, oups ? Je me suis pris un arbre. Bon, on va aller récupérer le drone. Bon, eh ben voilà, la deuxième fois en 3 ans. Voilà, un arbre un peu trop proche du drone. Enfin, l'inverse du coup. Ça me met moteur irréparable et problème nacelle. Mais avec un peu de chance, c'est juste qu'il s'est mis en sécurité. Oh, ça va, c'est pas si mal. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts, mais normalement ça devrait aller. Hein. Il était vraiment... En fait, il me manquait 30 cm pour être au-dessus de l'arbre. Du coup, normalement, le drone n'a pas dû forcer de trop. Les premières branches sont souples. J'arrive sur la zone. Donc a priori, c'est cet arbre-là. Et a priori, vu l'image que j'ai sur le drone, que je vous mets là en intégration, normalement, il est au sol. Ce qui est mieux, parce que j'ai pas envie d'escalader un arbre pour récupérer le drone. Maintenant, la question à se poser est... Dans quel arbre ? David Koudenov. En attendant, bah, je vais me fier à l'intégration GPS. Ah, il y a un fossé, j'ai de la chance, il est pas tombé dans l'eau. Oh, je l'ai, il est là. Fuck, il est dans l'eau. Faut surtout pas qu'il reste là trop longtemps. Ah! Ah merde, il y a des orties autour et tout en plus. Bon, bah on l'a retrouvé. Il y a plus qu'à. On va faire un reset. Take off. Attitude mode. Fly with caution. DJI ne meurt jamais. Bon, par contre, il a un vol stationnaire, pas ultra stationnaire. Donc je pense que je vais devoir peut-être changer les rotors. J'ai peut-être fait une petite bêtise. Une légère erreur, mais... De quoi, de 15-20 mètres à vol d'oiseau. Après, c'est peut-être juste dû au poids de l'eau encore qui est dessus. Donc je vais voir. Je vais toujours le faire sécher. Et puis on verra bien. C'est ses cheveux parfaits. Tranquille. Landing. Ça veut dire que je l'ai retrouvé. Il était où ? Dans le fossé. Sérieux ? Ouais, heureusement il y avait des branchages en dessous. C'est l'heure de la douche. Ah non, pardon, ça il l'a déjà fait. C'est l'heure de s'essuyer. Elle est mouillée ? Ouais. Dépêche-toi, la Ferrari arrive. Voilà, la petite caméra tourne. La garage, ils vont pas faire attention. On va y retourner. Parce que c'est bien connu, hein.
le cavalier qui tombe, s'il ne remonte pas sur son cheval tout de suite, il ne refait plus jamais de cheval. Contre un arbre, il n'a pas perdu. Enfin, il a perdu la bataille, mais pas la guerre. Ça va. Il y avait juste de la flotte devant le capteur, mais regarde, ils ont le droit. Natif police, t'as fait un test drive dessus. Et nous arrivons maintenant à la Coudos. À cet endroit, vous trouverez des points verts, mais combien? La question est déjà de voir qu'est-ce qu'ils appellent des points verts. Et puis c'est là qu'il y a quelqu'un qui se pointe avec une robe à petits pois verts. Du coup, il faut compter tous les pois sur la robe aussi. Des vaches qui broutent. Salut toi. Enfin, en l'occurrence, des genisses, vu le gabarit. On a trouvé la vache qui broute, elle est là. Je suis pas encore arrivé, a priori tout le monde est là-bas, donc ça va être là-bas, mais je me demande si c'est pas les trucs de promenade à pied ou à vélo là, avec deux points verts et un triangle qui t'indique la direction dans laquelle il faut aller. Je sais pas hein, mais... Non. Mais les points verts, c'est pas vrai. Ils sont toutes petits. Ouais. Je le dis pas, t'as qu'à chercher. Ah. Donc il me dit bien Violette à bicyclette. Oup, oup, assassin de la police. Eh hey, les gars, deux fils, je suis trop d'accord. Enfin, sauf papa bien sûr. On est tous mal garés, il y a la police qui va nous mettre des prunes. Bon, retournons à la voiture. Alors que nous avons derrière la matra qui cherche une place de parking. Enfin, je crois que c'est la matra. En vrai, l'écran est tellement petit que je suis pas sûr. Mais bon, hein, voilà. Let's go. Il y a des choses intéressantes ici. Aventurier, regarde à gauche, il y a une corvette. Et alors au moment où je lance l'enregistrement, il y a un avion. Ça tourne. Ouais, oui, je sais bien que ça tourne. Action. Salut. Salut. Bien plus pilote et bienvenue dans le paddock pour cette fin de vidéo. On reverra Anthony un peu plus tard sur la saison. Et puis, bah, si Anthony vous manque, il y a Grand Turismo, la chaîne secondaire qui apparaît, je sais jamais dans quel coin, ça doit être celui-là. Ouais, c'est celui-là, normalement. Ou alors c'est l'autre, mais enfin peu importe. Il y a une vidéo qui est apparue quelque part. Et puis il y a la chaîne d'Anthony aussi. D'ailleurs, c'est. L'aventurier du gaming. C'est là-bas, voilà. Viens dérouler avec nous si vous avez Gran Turismo à une PlayStation 4 ou 5, c'est marrant. Ouais. C'est fun. C'est fun. c'est fun, on est bourré d'énergie. Dès qu'on tourne la clé de contact, on est en pleine vivacité. Et on est nostalgique des voitures anciennes, donc on roule souvent avec des voitures anciennes. Et on parle de tout et de rien. Et ça, c'est typique du paddock. Je pense que j'ai fait le tour de pas mal de stations, donc on est bien, hein, non? Ouais, c'est vrai. Voilà, allez. À la prochaine, les amis. Ciao. Ciao.